Yo les gars, Sensi, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Poppy Playtime chapitre 1. Vous le savez peut-être, le chapitre 3 sort le 30 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours exactement. Et les gars, je serai en live sur YouTube pour découvrir le chapitre 3. Vous allez me dire pourquoi pas en vidéo, parce que le chapitre 3 normalement est très très long. Et je pense pas que vous avez envie d'avoir une vidéo de 3 heures sur ma chaîne, ou même en plusieurs parties, j'en sais rien. Du coup, bah les gars, je serai en live sur YouTube le 30 janvier, pile à l'heure de la sortie du jeu. Je sais pas quand le jeu va sortir, à quelle heure, mais je serai pile à l'heure de la sortie. Sauf si évidemment c'est à 2h du mat, etc. On va pas abuser non plus. Ça sera sûrement vers le matin. Et donc, c'est parti les gars. Aujourd'hui, on redécouvre le chapitre 1. Et demain, vous allez avoir la même vidéo, mais pour le chapitre 2. Comme ça, les gars, c'est logique. Chapitre 1 aujourd'hui, chapitre 2 demain, et chapitre 3 après-demain. Donc c'est parti. Bon, normalement, je connais déjà le jeu. Vert, rose, jaune, rouge. Ok. Vert, rose, jaune, rouge. Alors, comment on court? Ok, c'est Shift. Comme ça, on redécouvre un petit peu le jeu. On redécouvre un petit peu comment ça marche. Vert, rose, jaune, rouge. Voilà. Donc, on redécouvre un petit peu les touches, le jeu. On se met dans le bain, les gars. C'est comme ça que ça marche. Hop, la petite cassette. Bam. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? D'ailleurs les gars, n'hésitez pas. Attends, on peut skip? On peut skip. Oh, c'est trop bien. D'ailleurs oui, je joue au jeu après les mises à jour. Il y a eu beaucoup de mises à jour les gars sur Poppy Playtime. Ils ont mis des mises à jour pour mettre le jeu en français. Vous voyez en bas à gauche, tout est écrit en français. Même les cassettes c'est écrit en français. L'introduction était en française. Donc ils ont fait beaucoup de changements. Et c'est très cool, très très cool. Hop. On va prendre les cassettes tant qu'on y est. Est-ce que je peux skip aussi celle-là? On va voir. Je sais pas si on peut skip. Bref, on taille les gars. Hop. Et du coup oui, comme je vous l'ai dit, ça permet de redécouvrir les jeux, de se mettre dans l'ambiance. Et en plus de ça, oula, il me fait peur lui. Et en plus de ça bah c'est très cool pour patienter. Alors attendez. Ok. Normalement il y a la petite clé qui devait apparaître. Je crois qu'il faut tourner le regard. Oh, c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. D'ailleurs n'hésitez pas les gars à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça me ferait très plaisir. Le jeu est assez sombre, je suis désolé les gars, c'est pas de ma faute hein, mais bon. Vous le savez, c'est un jeu assez sombre, assez sinistre. Ok, il faut aller là. Hop là. Et du coup comme je l'ai dit, au lieu de juste je sais même plus ce que je dois faire. Faut que j'aille par là. Au lieu de juste redécouvrir le jeu n'importe comment les gars, en plus de ça, ce qui est très cool, c'est que bah on redécouvre avec la mise à jour. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Parce qu'avant il n'y avait pas la mise à jour. Et donc là ils ont rajouté plein de contenu. Enfin plein de contenu, on se comprend hein. Mais du coup je suis quand même très curieux. Bon là on va pas avoir peur bien sûr. On connaît maintenant, on connaît. Mais la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai flippé. Ok. Alors je sais qu'il y a une petite cassette à trouver, mais je ne sais plus où, honnêtement les gars. Je sais plus du tout où est la cassette. On va regarder. D'ailleurs je pense que le chapitre 3 en live sur YouTube, je vais le faire en mode hop. On va se le faire dans le noir les gars. Genre en mode, enfin pas le jeu dans le noir bien sûr, mais je veux dire on se mettra dans le noir, dans ma chambre, pour être vraiment dans l'ambiance. T'as vu ce que je veux dire? Bon, si jamais vous trouvez la cassette, n'hésitez pas à me dire. Puisque j'aimerais bien quand même la trouver. C'est plutôt cool. La cassette orange. Comme ça au moins, on a toutes les cassettes du jeu. Mais si jamais vous la trouvez pas, c'est pas grave. Mais si jamais vous savez où est la cassette orange, dites-le moi dans les commentaires, y a pas de problème. Je relancerai peut-être la game de mon côté. Ou elle est peut-être... Non... Ah, je vous avoue les gars que je galère un peu. Où est-ce qu'elle est cette petite cassette? Aucune idée, honnêtement, aucune idée. En tout cas nous on va continuer de mettre les cubes dans les cubes. Ça ne veut rien dire. Hop. Où est-ce que c'est celle-là? Alors attendez, dans mes souvenirs il y en avait un plutôt en hauteur. Et le deuxième je crois que c'est dans une étagère. On va regarder ça ensemble. Le deuxième,
Il était dans une étagère, je crois. Ou un petit peu caché, non? Oh les gars, je me dis pas que je vais commencer à galérer. Normalement, je le connais bien ce jeu. Ou il était pas caché derrière un mur. Ça se trouve, vous le voyez depuis tout à l'heure, je suis aveugle. Mais les gars, je vous jure, c'est pas facile, hein. Attends. Où est-ce qu'il est? Oh là là, la galère. Oh la galère. Mais je suis nul ou pas? Je crois que je suis nul. Bah vous savez quoi les gars? Bon, je vous retrouve dans 5 minutes dès que j'ai trouvé le cube. Ouah les gars! J'ai galéré de ouf! Je vous promets, j'ai galéré. Oh, j'ai trop galéré. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que c'est possible que le cube, tu puisses pas le trouver tant que t'as pas posé l'autre? Parce qu'en vrai, je me suis posé la question. Est-ce que tu penses que tant que t'as pas posé les 3 cubes, le quatrième n'apparaît pas? Je me suis posé la question. En tout cas, les gars, on l'a trouvé, c'est cool. Et je n'ai pas trouvé la cassette orange, les gars. Je n'ai pas trouvé la cassette orange. Hop. Ah, ils l'ont ramené là-haut. Ok, là. Let's go, les gars, la main rouge. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? Je vais faire une petite pause et puis je vous retrouve dans quelques instants, pardon. Je vais chercher la cassette orange. Oh, les gars! Je l'ai trouvé! Purée, c'était dur. C'était super dur. Je sais même pas si je l'ai déjà trouvé dans ma vie. C'est la première fois, je crois. Bon, on va pas trop regarder, hein. Mais vous voyez, du coup, les textes, ils sont en français, c'est trop bien. Bon, les gars, on va pas regarder, je suis désolé. Ça m'intéresse pas. Hop, du coup, c'est parti, on continue l'histoire. Let's go. Je voulais au moins le trouver, juste pour le délire. Hop, c'est parti. Tantanana. Ah, faut s'accroupir. Ok, let's go. Go, 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 go. Soit par là, soit par là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on doit faire de beau ici? Tirer pour compléter le circuit. Ok, c'est par là. Et ça, je me rappelle un petit peu, je crois. Alors, comment ça marchait? Comment ça marchait déjà? Alors déjà, on a le numéro 1 ici. On peut pas monter. Ok. Donc si on va monter, il faut qu'on aille là. Par là, vous croyez? Ah non, pas par là. Ok, alors attendez. Ça a l'air compliqué tout ça. Peut-être par là. Ensuite, faut aller peut-être par où? Si je descends là, ça marchera pas, je pense. Je crois que je fais de la merde, les gars. Je vais encore perdre. Oh si, c'est ça! Attendez. Elle veut pas se tirer, ma main. Tire! Elle veut pas. Mais là, c'est pas de ma faute, les gars. C'est la main, elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Attendez, j'essaye. Bon, c'est peut-être même pas ça en fait qu'il faut faire. On va tester de l'autre côté, attendez. Hop. Ah, mais c'est vraiment ça? Les gars, c'était vraiment ça? Mais c'était aussi simple que ça? Mais wesh. C'était super simple. Oh, mais qu'on voit tellement rien. C'est normal que la luminosité soit aussi basse, les gars? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Si c'est trop bas la luminosité. Vous me le dites en commentaire et puis je changerai ça pour chapitre 3. Parce que là c'est vraiment bas. On voit que dalle genre. Ah c'est bon, on est arrivé. What? On arrive par là d'habitude? Ah ouais? Les gars, vous êtes sûr qu'on arrive par là? On n'arrive pas là-bas d'habitude? C'est trop bizarre. Ok, pourquoi pas. Il faut du courant. Ok, il faut du courant. Hop, on va monter à l'étage. Il me semble qu'il y a une cassette à trouver ici d'ailleurs. Ouais, ok les gars, cassette rose, objectif. Ok, let's go. Si vous voyez une petite cassette rose, vous me dites. Hop. Hop. Attendez.
Ok, ça marche pas. Hop. J'ai réussi ou j'ai pas réussi là? Non, attendez, on va refaire. Cette épreuve elle est toujours aussi galère, vous vous rappelez? A chaque fois on galère un peu. Alors attendez, je crois qu'il faut faire comme ça. Comme ça. Ok. Ensuite, comme ça. Hop. Comme ça. Et pas comme ça. Non! Oh, je suis tombé. Oh, le golemon. Oh les gars, what the fuck. Oh, j'ai failli crever. Ok, on refait. Je crois que j'étais presque, mais je me suis juste trompé de côté, je crois. Fallait d'abord aller de l'autre côté. Par contre, le jeu, il a l'air tellement beau graphiquement, etc. Limite, ça me fait presque laguer. Ok. On va par là. Et donc là, on va faire de l'autre côté, comme ça. Comme ça. Pas comme ça. Ok, alors... C'est dans quel sens plutôt? Dans l'autre sens vous pensez? Comme ça, comme ça. Et là ça marche. Si ça veut bien. Ok, nice. Moi je crois que j'ai fait un peu glitcher le jeu les gars. Parce que je crois que c'était peut-être pas le but de le faire comme ça. Pendant qu'on y est, on va chercher la cassette les gars. Petite cassette rose. Bon, je pense que je vais la chercher hors vidéo, les gars, la cassette rose. Je vais pas vous embêter avec ça. Ok, les gars, bah, je vous retrouve dans 5 minutes. Je vais chercher la cassette rose. Ah bah, en fait, les gars, elle est juste là. Pas besoin de chercher plus longtemps. J'aurais limite même pas pu faire de pause à la vidéo, je l'aurais trouvé. Parce que je l'ai trouvé littéralement une seconde après la pause. Bon, comme d'habitude, on va pas lire la cassette, les gars. On n'est pas là pour la lecture. Même si dans le chapitre 3 on va tout lire, je vous le dis direct. Dans le chapitre 3 on va tout lire les gars. Hop. Oi oi oi. Elles font trop de bruit les machines. Limite vous allez même plus m'entendre les gars. D'ailleurs j'ai remarqué un truc les gars, c'est qu'il y a pas mal de tuyaux comme ça. Je sais pas s'ils appellent ça dans le jeu avant. Ouais ouais ouais. Allez allez. Je peux remonter par là moi. Ouais. Bon les gars, je vous retrouve quand le jouet il est fait. Ok les gars, le jouet est fait. D'ailleurs j'ai mis des petits cartons ici pour bloquer Huggy. Je sais pas si ça va marcher. Et du coup les gars, c'est parti. Le moment tant attendu. Le moment tant attendu les gars. On va se chier dessus. Let's go. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah! Oh purée. Ça fait toujours aussi peur. Wow. Go go go. Oh les gars, y a aucune lumière, je vois rien. Oh bordel, j'ai trop peur. Oh bordel. Oh bordel. A l'aide, vite, vite. Vite, vite, vite. A l'aide. A l'aide! J'ai peur! Ah, s'il vous plaît! Ah, non. Go! Je cours! Vite! Saute! Ah! Oh purée!
Oh les gars, c'était intense. Oh putain. Oh, oh les gars, c'était trop intense. Oh purée. Oh j'ai fait que de crier, je suis désolé. Oh c'était intense de fou. Vous savez que les gars, ça fait super longtemps que j'ai pas fait la course poursuite. Le jeu il est classique, il est pas très long, on le connaît par cœur. Mais la course, enfin et par cœur encore. Je pense que vous avez tous remarqué que j'ai fait plein de fautes, plein d'erreurs, etc. Les trucs des lampes et tout, les parcours, j'ai un peu galère. Mais la course poursuite, frère. Je savais qu'il y avait des petits chemins, il fallait passer dans des trous SBC, etc. Mais je me rappelais plus exactement de l'endroit. Donc j'ai un peu galéré, c'était un peu chaud. Mais on y a réussi, premier coup. Donc je suis plutôt content. Surtout que ça nous a bien fait stresser. Ok, on a la cassette marron ici. C'était ça que je cherchais. Hop, on va mettre la dernière cassette. Boum. Du coup, parfait. Je crois qu'on a 100% le jeu, les gars. On a toutes les cassettes. On a fini le jeu. Et les petits jouets ici. Non! Louré! Louré! Danger, stop! Partez! Faites demi-tour! Ok. C'est parti, les gars. On va aller voir Poppy. Et puis après, les gars, je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 2. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis vous serez aussi là, j'espère, après-demain pour l'épisode 3. En live sur YouTube. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, tout le tralala. Du coup, cette porte, c'est par là qu'on va passer pour le chapitre 2. Ça va être très rigolo. C'est parti. Salut, Poppy. On va regarder s'il n'y a pas des petits secrets d'ailleurs. Des petits easter eggs. Bon, je crois pas, les gars. Hop, c'est parti. Ah! Oh, bordel de jingle. Il m'a fait trop peur, frère. Il m'a fait trop peur. Tu as ouvert ma boîte? Et c'est terminé. Chapitre 1. Bon bah les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Enfin, c'est pareil du coup, liker et pouce bleu. Et puis le code créateur NCU sur tous les jeux Epic Games, pourquoi pas, ça fait plaisir. Bon bah voilà. À demain les gars pour l'épisode 2 et l'épisode 3 après-demain. Ciao, ciao, ciao!